Je prends la deuxième partie. Allô ? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est une leçon de la dernière fois ? Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain. Je ne sais pas si elle va pouvoir venir. Ah, dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important, il attend. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman ? Elle me fait toujours des grands signes, elle me dit toujours tout bas, fais croire que je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison ? Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons ? Oh oui, mais comme maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il y a une signature sur mon carnet. Les autres ont celle de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Eddie, tu la connaissais, ma maman, avant ? Pourtant, elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein ? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi, avec la voix. Seras-tu aux prochaines vacances, à l'hôtel Beau Rivage ? Aimes-tu la plage ? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant, je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage, toi ? Tu y as été ? À Sainte-Maxime ? Oh, dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux, moi je vous aime. Tu nous aimes ? Mais je t'ai jamais vu, moi. Et qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'as changé de voix ? Mais tu pleures ? Pourquoi ? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, non, ne raccroche pas. Je suis si près de toi, avec la voix, dis écoute-moi. Le téléphone pleure pour la dernière fois, car je serai demain au fond d'un train. Redis, mais retiens-la. Mais elle s'en va. Allons, insiste. Oh, elle est partie. Si elle est partie, alors tant pis. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite.